Alors c'est ça, Leidze? Cette tempête n'a pas l'air naturelle. Bon, vous pouvez arrêter de faire semblant. Noua n'est pas là. Ça se voit tant que ça? Désolé, gamin. Tu crois que tu pourras activer nos hôtels pour la cérémonie des orages sans son aide? La cérémonie des orages? Oui, on va gober cette grosse tempête. Enfin, en théorie. Et voilà, les meilleurs hôtels qui soient.
Gamin, tu vas t'en sortir? Je te l'ai dit. On n'a pas besoin de son aide.
Je ne savais pas qu'on pouvait en avaler autant. Eh bien, maintenant, j'ai un peu... Oh, sommeil. Bon, vous êtes content. Prochaine étape, on va à l'arbre Jianmu. Qu'est-ce qu'il a spécial, cet arbre? À part qu'il soit très très gros. L'arbre Jianmu a été autrefois une voie céleste. Après la pluie, un bel arc-en-ciel s'étendait vers le haut. Et quand j'étais tout petit, je rêvais tout le temps de marcher sur cet arc-en-ciel pour rejoindre le domaine céleste. C'est mignon, oui. Et tu crois que cette connexion céleste peut nous aider à redevenir nous-mêmes? Vous avez absorbé les orages ici. Visiblement, Ni et toi, vous possédez encore une part de votre pouvoir. Tout ce qu'il vous faut, c'est un peu plus d'énergie. Mais, et ce qu'a dit Noua à propos de toutes les choses célestes et, tu sais, les ennuis? La déesse a très peur de tout ce qui peut arranger les choses. Bon, allons voir Jianmu.